Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et on retrouve tout de suite de la Ligue 2 BKT avec ce match. Et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Et c'est parti dans ce match. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Le tir et le but. Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Quelle pression sur ce ballon, mais ça ne l'empêche pas de frapper, ni même de marquer. Quelle détermination! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Gauthier Hein. Yang. Le centre dans la surface, il y a du monde. Le ballon sort, corner concédé. C'est bien parti pour ce corner. Intervention et donc danger écarté. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Bien quitté. Oui, en position illicite, hors jeu sifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. Saki. Nyang. Ah, il s'est donné en profondeur. Mais finalement, une bonne intervention de la défense sur ce ballon. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Alioui. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité.
faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Très bonne intervention là pour écarter le danger. Mathias Autrey est reculé. C'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Et non, ballon perdu. Magnifique, quelle passe! C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. Excellente intervention, ça sort en touche. Mbemba. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Mathias Autrey. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. C'est un corner bien joué, bien frappé. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Décale. Mbemba. Mbaye Niang avec le ballon. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Mbemba. Ah, il perd ce ballon. Ça joue, avantage. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Yang, hey, ça a l'air bien dosé ça. Et le coup de tête passe assez loin, la défense gêne bien là. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Donaier. Saki. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Ça part bien, attention, il y a danger. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Et c'est pour le gardien, aucun problème sur ce ballon. Saki. Le ballon progresse bien sur cette offensive. On le voit, l'équipe locale n'a pas la possession et pourtant cette équipe parvient à mener au score, à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Ce qui les intéresse, c'est la maîtrise des espaces plutôt que la maîtrise du ballon. Une bonne couverture du ballon. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Et ça joue sur Mbaye Niang.
Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Et voilà une bonne récupération du ballon. Gauthier Hein. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Oui, sans faute. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Alors, on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement, ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant se faire un peu oublier. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Allez, cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Excellente intervention, le ballon est capté. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Et attention à ce centre. Ah, la perte de balle. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ouais, bien défendu, sans faute. Mathias Autray. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Alioui. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté, toujours ce petit but de retard. Et voilà, le changement s'effectue. Ah là là, la mauvaise passe. Et belle passe en profondeur. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. On constate effectivement que la possession est pour l'équipe visiteuse, mais la possession sans la décision à la fin, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste une domination stérile qui ne parvient pas à susciter du danger.
assez manqué. Et voilà, c'est un changement donc. L'écale, Jamal. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Nuno da Costa. Oh, attention à ce ballon. Le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et la jambe. Le danger dans la profondeur. Oh, la parade du gardien. Le corner. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Ah non, ça s'arrête là. Et voilà une bonne récupération du ballon. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Très bien défendu, sans commettre de faute. Nuno da Costa. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. L'écale. Oui, il faut frapper maintenant. Ouh là, et le ballon qui passe assez loin de la cage quand même. Cadrer le ballon plutôt que de jouer en force. C'était la bonne idée, mais il faut s'appliquer. Kirama Touré. Oh, la grosse faute là, mais ça c'est carton rouge. Oh, le carton rouge, et après avoir marqué, maintenant c'est l'exclusion. Du très positif et du très négatif, un match sur courant alternatif. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. L'équipe se rue maintenant en attaque pour essayer d'égaliser. Le ballon sort en touche. Gauthier Hein. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Ouais, sans problème pour le gardien. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Et oui, le bon réflexe. Et peut-être une chance d'égaliser in extremis avec ce corner. Et le changement est demandé et il a lieu. Un corner qui est bien ajusté. La fin du temps réglementaire et c'est donc une défaite concédée loin de ses bases. Une défaite d'un tout petit but dans ce match. C'est dire comment les deux équipes étaient proches.